c'est bien d'aller jusqu'au bout du raisonnement en montrant que quand même celui qui est montré du doigt, c'est bien le mâle blanc de la classe moyenne, et on va dire de 40-50 ans. On voit bien que c'est lui qu'il faut éradiquer parce que c'est lui l'âme de la, je veux dire, de la France qui peut encore s'opposer à la domination oligarchique intégrale. C'est ceux qui ont effectivement assisté physiquement à l'enterrement d'ailleurs de Johnny Hallyday, hein. C'est pas pour rien. Parce que ce que je fais remarquer, c'est que le migrant, lui, ne sera jamais considéré comme harceleur, puisque avec, grâce au pire et à Ouria Boutelja, on a compris que c'était une victime éternelle, quoi qu'il faisait. C'est le reste de la société qu'il faut éduquer. Et que pour lui, il fallait juste élargir les trottoirs et augmenter l'éclairage porte de la chapelle. Dans tous les quartiers où il y a un problème d'espace, où il y a une concentration de personnes qui restent à la même place toute la journée, il y a des violences à l'encontre des femmes. On pourrait élargir les trottoirs pour qu'il y ait plus de place et qu'il n'y ait pas de cohue dans ces endroits-là. On pourrait aussi mettre de l'éclairage pour faire en sorte que bah, quand on circule dans la rue, il n'y ait pas de coin sombre. On voit bien qu'on n'est jamais montré du doigt le harceleur permanent qui est le rappeur, qui ne fait que des clips où il montre des bimbos qui sont des putes qu'on achète avec de l'argent et qu'on considère comme des purs objets sexuels. Je rappelle que toute l'imagerie du rap, qui n'est pas très blanc, fonctionne sur cette prostitutionnalisation de la femme et ce harcèlement permanent. Si on veut élargir encore sur Balance ton porc, moi je fais partie des jeunes hétérosexuels, jeunes et pauvres, qui étaient beaux gosses, qui ont été systématiquement, quand ils voulaient travailler dans les médias, dans la mode, dans les secteurs où j'ai travaillé, édition, cinéma, médias, mode, harcelés par des prédateurs homosexuels. Donc j'aimerais bien aussi qu'on mette en place Balance ton gay, ce qui est d'ailleurs en train de se passer un peu à Hollywood avec Charlie Sheen, etc. Ces prédateurs pédophiles qui sont souvent officiellement des homosexuels. Le lien existe, faut pas se foutre de ma gueule. J'aimerais bien aussi qu'on parle un peu de ces prédateurs homosexuels, comme l'était d'ailleurs Pierre Berger, puisque Pierre Berger était bien un Weinstein homosexuel. C'est-à-dire qu'il se servait de son pouvoir et de sa puissance pour, comment dirais-je, asservir sexuellement ses employés. Un jour, Pierre Berger a viré un de ses chauffeurs, parce qu'il a fait des indiscrétions. Un jeune est arrivé, habillé en costume, et est venu nous voir dans la rue, avenue Marceau, nous a dit, on lui a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Et il nous a dit, écoute, je vais être le chauffeur de Pierre Berger. Et puis, écoute, on lui a dit bonne chance. Et puis, quand il est parti, entre nous, chauffeurs, on lui a dit, bon, bah, lui, ça va lui faire mal au cul. Ça, c'était une banalité. Point. Ouais. Pierre Berger avait mis en place dans l'entreprise plein de jeunes gens qui pouvaient se servir au fil de la journée ou au fil des jours pour faire ces cochonneries, on va dire. Oui. Voilà. Donc, il sodomisait le personnel comme à son gré quand l'envie, voilà, quand l'envie lui prenait. Donc, j'aimerais bien qu'on aille aussi jusqu'au bout avec Balance ton gay sur les harceleurs homosexuels adultes par rapport aux jeunes hétéros. Parce que je rappelle que le plaisir ultime de l'homosexuel, c'est de pervertir un hétérosexuel, hein. C'est de baiser un hétéro, hein, voilà. Donc, je serais intéressé, moi, que des jeunes hommes qui ont essayé de travailler dans les médias ou dans des secteurs comme ça, ou même d'ailleurs dans la grande banque, hein, les secteurs du tertiaire parasitaire où il y a beaucoup d'homosexuels, hein, il y en a beaucoup moins dans les métiers dans l'agriculture et sur les chantiers, balance aussi du balance ton gay. J'aimerais bien effectivement que chacun en prenne pour son grade, et y compris les prédateurs homosexuels. T'es toute nue sous ton poule, y a la rue qui est ma boule, joli môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme. Oui, alors si on va jusqu'au bout de cette mise en place de la définition féministe et étendue du viol rétroactif et viol sur tout, il faudrait bannir du répertoire français la chanson, très jolie chanson populaire de Joe Dassin, aux Champs-Élysées. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Ça, c'est du harcèlement sexuel, vous voyez. Donc Joe Dassin, harceleur sexuel par la chanson. On pourrait aussi citer Brassens. Un petit coin de parapluie, contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi. Un coin de parapluie, coin de paradis, effectivement, il offre sa protection avec un parapluie à une jeune femme, et il en profite effectivement pour la désirer, hein. Donc c'est aussi le harcèlement par le parapluie sous la pluie. Il faut faire le travail par l'absurde.
Il faudrait faire un ménage bien d'inquisition, comme le fait d'ailleurs la DILCRA. N'oubliez pas que dans la DILCRA, ils ont rajouté le H. Hein, c'est contre la haine, mais contre le LGBTisme aussi, etc. Ce garçon si drôle en travesti, on dit qu'il en est. Ce fervent de la bicyclette, on dit qu'il en est. Toujours si soigné de sa personne, pour le voir se recoudre en bouton. Un fil de travers, ça le chiffonne. Il n'empêche que derrière les gens font. Il faudrait effectivement épurer toute la littérature française et toute la chanson populaire. Je vous parle pas de Johnny Hallyday, Gabriel ou Sarah. Sarah, c'est... Oh, oh, ma jolie Sarah. Sarah, tu m'as donné ton corps, merci pour ton effort. Mais je vois. Et c'est le mec qui a eu du mal à lever une gonzesse, qui la baise, et après qui la largue, qui lui dit ouais, c'est comme ça, tu vois, j'ai eu du mal à t'avoir, mais maintenant c'est fini. Car tu changes, tout tâche, tout passe, et tout lasse. Le désir, le plaisir se dilue dans l'espace. Je vois dans tes yeux s'agrandir le brouillard. Je sais que tu sais qu'il est déjà trop tard. Et c'est déjà la fin. C'est affreux, plaisant, affolant, désolant. Comme nous sommes tous victimes des temps. Ça devrait être proscrit du répertoire de la chanson française. Et je pense que même que Johnny Hallyday devrait être condamné post-mortem pour avoir osé pousser le mâle blanc à ce rôle de prédateur qui est fondamentalement en lui, n'est-ce pas, qui est incarné par le phallus. Je pense qu'il faudrait même d'ailleurs, à un moment donné, émasculer. Parce que je pense que tant qu'il y aura du phallus et de l'érection, il y aura potentialité d'agression sexuelle. Je pense qu'il faut aller jusqu'à la castration physique. Je vais passer ma verge, tirer la peau des bourses, et ça fait remonter les testicules près de mon corps. Comme ça, ils sont 2 degrés plus chauds, et c'est ça qui va arrêter la production des spermatozoïdes. Donc on cherche à le porter 15 heures par jour pour avoir l'effet contraceptif. Donc, ces petites digressions supplémentaires, faisons le ménage dans toute la littérature et la chanson française pour enlever tout ce qui pourrait être considéré comme de l'appel au viol et du harcèlement. Ta barrière de froufrou, faut se la faire, mais c'est tout joli môme. Ta violette et le violon, qu'on violente et c'est bon, joli môme.